Il faut repartir. Après la tragédie de dimanche, il y a un match qui nous attend ce week-end à Nantes, qu'on va commenter en direct sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Ça a été une semaine très dure à digérer, vraiment. Perdre contre le PSG, malheureusement, on est habitué, mais de cette façon, ça m'a rappelé les pires classicaux euh, sous l'RQSI. On a joué sans personnalité, sans courage, et j'en veux encore aux joueurs et aussi à deux Herbi. c'est normal. Je vais m'expliquer là-dessus. Au sommaire de cette vidéo, retour sur le match de dimanche, qui nous marque encore, hein, bien sûr. L'avant match contre Nantes avec ma compo d'équipe, la conférence de presse, les clés de la rencontre et ensuite l'actualité du club. Il y a une crise interne entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarak. On va en parler, qu'est-ce qui se passe C'est toujours le bordel de hein, toute façon. On est habitué avec l'OM. Longoria, vice-président de la LFP, est-ce que c'est une bonne chose Qu'est-ce que ça peut nous apporter Et puis en fin de vidéo, je répondrai à quelques parisiens, bien sûr. Bon, ils sont heureux du match de dimanche. Ils nous chambrent, c'est normal. Ils ont été meilleurs, ils ont été plus motivés que nous et ça c'est inadmissible. Ils sont arrivés chez nous et ils ont imposé leur suprématie. Voilà. Par contre, il y a un petit peu d'abus hein, sur les réseaux sociaux. Je suis habitué, je ne suis pas étonné. Donc on va leur répondre. Dieu m'a offert un cerveau, une langue, c'est pour m'en servir. Après, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous chambrer. Encore heureux, je ne suis pas en mesure de le faire. On attendra quelques mois en Ligue des Champions pour ça, parce que en Ligue 1, vous faites le travail. Vous avez une équipe avec une valeur marchande largement plus forte que les autres. Mais vous faites le taf, pas de soucis. Par contre, en Ligue des Champions contre des équipes du même niveau que vous, vous êtes toujours complexé en phase finale, comme l'OM, l'est contre le PSG. On a le même défaut, sauf que ce n'est pas dans les mêmes matchs. Sur vous, pour mettre un petit pouce en bas de la vidéo, vous savez comment ça se passe, c'est important pour le soutien de la chaîne. Et là maintenant, je vais les cash du match de dimanche. Pourquoi c'est inadmissible Je suis sorti, mais sur cette semaine, donc ce matin, j'ai discuté avec un supporter de l'OM dans la rue. Il avait encore la tête dans le cul hein, du match de dimanche et c'est logique parce qu'on ne l'a pas joué. On a commencé la rencontre en jouant bloc bas, en n'allant pas presser l'adversaire. Pourtant, deux dans les gros matchs de première ligue avec Brighton, il allait chercher les équipes comme City, comme Liverpool, un minimum. On ordit une équipe de National 3 contre une équipe de Ligue 1, vraiment, un match de Coupe de France. Et vous savez, quand tu joues à l'OM, que ta devise principale, c'est le droit au but. Tu as 66 000 personnes qui viennent du monde entier. Tu ne peux pas te comporter comme ça, être aussi attentiste. Tu envoies un signal à l'adversaire, un signal que tu as peur, clairement. Luis Enrique est titulaire côté gauche. Et des coachs comme Bielsa, Tudor, ils avaient leurs défauts. Mais jamais contre le PSG, ils auraient eu cette attitude. Et jamais les joueurs auraient prouvé cette attitude avec Bielsa entraîneur ou Tudor entraîneur. Ils jouaient avec beaucoup d'agressivité. On y allait presque la fleur au fusil, hein, vraiment. Même quand on perd 3-0 sous Tudor, on a beaucoup d'occasions à 0-0. On manque d'efficacité, après on se fait contrer, etc. Mais là, c'était un non-match. On a joué sans personnalité, sans courage. Et l'entraîneur a sa part de responsabilité. C'est lui qui donne ses consignes. C'est lui qui inculque la mentalité à son équipe. On a vu un OM timoré jouer avec la peur au ventre. C'est trop souvent qu'on joue avec ce complexe face au Paris Saint-Germain, on a peur. Tandis que eux, ils sont sur deux. Ils viennent, ils sont sur deux et ils s'imposent chez nous. Même s'il y a le facteur motivation, parce que Paris joue le match de l'année contre nous. Que j'entende aucun Parisien dire que jouer l'OM, c'est un match banal, c'est un match lambda, c'est pas vrai. Au niveau de la concentration, dans leur regard dès l'échauffement, ils sont surmotivés plus qu'un match de poule de Ligue des Champions. Ça, c'est positif pour nous, ça veut dire que l'OM représente beaucoup. Voilà. Même si on est devenu presque un club lambda en Ligue 1 depuis euh, des années, des années, en termes de résultats, je parle. Parce qu'en termes de médiatisation, c'est pas le cas. Et c'est aussi de la faute des médias qui ont annoncé depuis des semaines, oui, ça va être un match chéri, etc. Oui, il y a beaucoup de supporters de l'OM, la plupart. On pensait que ça allait être un match chéri. Parce que sur le papier, ça s'est un peu resserré entre nous et le PSG. C'est la vérité. On va pas retourner notre veste. Oui, ça s'est resserré sur le papier. Mais les médias, ils en ont fait des caisses. Ils ont annoncé un choc euh, qui va être très équitable. Même la plupart des supporters parisiens étaient inquiets. Ils étaient inquiets après le match contre le PZ. Moi, je suis pas un abruti. Moi, je suis pas un naïf. Hein. Tu vas la faire à d'autres. De dire, ouais, on était confiants de ce match au Vélodrome. Non, ils n'étaient pas confiants, les Parisiens. Loin de là. Ils seront toujours favoris avec un tel écart de budget. Surtout qu'eux, ils prennent le match au sérieux. Je disais que Monaco produira une autre prestation dimanche dans mon débrief. Mais sauf contre Monaco, Paris sera beaucoup moins concerné et motivé. Je peux vous donner plein d'exemples de Monaco PSG ces dernières années. Ils avaient même mis l'équipe B souvent à Louis II avant un match de Ligue des Champions. Mais en tout cas, nous, dans notre attitude, c'est impardonnable ce qu'on a fait. Ils ont sali le maillot. Tu joues à l'OM, tu viens dans ce club prestigieux, unique en France, tu dois jouer ces gros matchs en respectant un minimum la mentalité de ce club, la mentalité de guerrier et ne pas être aussi attentiste. Même s'ils sont plus forts, on peut perdre, mais jamais j'accepterai de me faire souiller à ce point par le Paris Saint-Germain. Et on s'est fait piétiner dimanche à 11 contre 11, on n'a pas vu le jour. Combien de fois on est passé dans le camp adverse C'est inadmissible. On pense à chaque fois qu'on a le niveau de battre le PSG, tout le monde se met une pression énorme et malheureusement, les joueurs, ils n'assument pas sur le terrain. Tandis qu'à l'inverse, les joueurs parisiens, ils arrivent sur deux et ils le montent sur la pelouse d'entrée de jeu. Alors que Paris, c'est un club complexé. Dans les matchs de Ligue des Champions, en enfin, phase finale, combien d'échecs ils ont eu, c'est la vérité. Et j'entends aucun Parisien me dire l'inverse. Mais nous, on a ce complexe contre le PSG en général, même s'ils ont plus d'argent. Ça se voit sur toute une saison. Ils doivent être champions tous les ans à Paris, c'est normal. Ou neuf fois sur dix. Mais sur un match contre eux, c'est pas normal d'autant subir. On a l'impression que les joueurs, ils sont persuadés que c'est impossible de battre le PSG. Et ça se voit sur le terrain. On peut perdre sur un détail, un fait de jeu, ou parce qu'on s'est fait contrer. Mais à domicile, justement, chez nous, ne pas jouer le match, subir leur jeu d'entrée de jeu, les mettre en confiance, leur faire comprendre qu'ils vont dominer, qu'ils vont dérouler. C'est pas possible, c'est inadmissible et c'est deux Herbie en premier lieu qui est responsable. Alors je sais, je vais lui laisser du temps et je lui fais confiance, mais c'est jusque là il a été frileux dimanche, il a été peureux et celui qui pense l'inverse, je le comprends pas. C'est pas que les joueurs, c'est l'entraîneur. Jamais avec Tudor ou bien ça, t'as ce type de prestation de dimanche. Jamais. Même si je sais que ce coach est encore heureux, il a pris des gros scores en début de saison avec Brighton et ça soit Et après on a vu ce qui s'est passé. Donc l'histoire se répète d'un côté. Mais le vélodrome, il n'a pas aimé dimanche. Hein. La bronca, elle a été timide au coup de sifflet final. Par contre, les joueurs, là, ils ont fait une tour du terrain pour euh, applaudir les supporters. Je ne vous dis pas comment ils ont été reçus. Hein. Une bronca, ils sont ressortis pas fiers. Hein. Ouh, ça a grondé. Ça a grondé fort et ils ont compris. Et deux armées aussi. Hein. Il est venu devant les virages. T'inquiète pas que ça n'a pas applaudi ou quoi. Ça a sifflé. Ils les ont pourris, les mecs. Pourris. Eh bien, c'est normal. Pourtant je me trouve loin d'être exigeant dans les performances, dans les résultats, sous l'ère Longoria. Mais ce match de dimanche il m'a dégoûté, il m'a écœuré. Il est encore en travers de la gorge. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, mais il sera oublié avec quelques victoires de suite. Voilà. J'espère qu'on va gagner dimanche. C'est important pour repartir, mais il faudra deux, trois victoires de suite pour vraiment digérer tout ça. Et je vous assure, contre si on en a fait des caisses, mais c'était un accident. Et surtout une période d'absence pendant un match de dix minutes. Là contre Paris, d'entrée de jeu, tu montres que t'as pas envie, que t'as peur, que t'as peur, vraiment hein. C'est inadmissible dans un tel choc où on avait beaucoup d'attentes. Certes, la presse en a trop fait, nous aussi. Mais quand même, euh, Paris, oui, je maintiens aussi, est moins fort qu'il y a quelques années. C'est la vérité, les gars. C'est pas une question de les sous-estimer. Même les supporters parisiens, ils disaient la même chose, une bonne partie. Faut pas dire n'importe quoi aux gens. C'est facile là de bomber le torse, hein. Mais la communauté parisienne, c'est la première qui était inquiète pendant toute la semaine. Donc deux herbis, hein, on te laissera du temps, il n'y a aucun souci. Mais plus jamais ce type de prestation. Plus jamais dans un gros match. C'est para-football qui te le dit. C'est le vélodrome, c'est le peuple marseillais, ça sera intenable. Il y en a d'autres qui l'ont dit cette semaine, hein, si l'OM subit d'autres défaites de ce style comme dimanche, le projet il est mort. Il est KO. C'est fini. KO, chaos, chaos. Il n'y a pas de patience qui tienne dans un club comme l'OM avec une telle peur. Une telle domination de l'adversaire, dans un stade plein comme ça. Surtout avec une équipe potable de l'OM sur le papier. On ne parle pas de la période Garcia, au début du projet de ma courte, l'année Mitchell, etc. Et même l'année Mitchell, on avait regardé le PG droit dans les yeux. Lors euh, du match retour au Vélodrome, on perd de 1. Ils avaient Zlatan, Di Maria, etc. Oh, C'était un match totalement différent. Bon, c'est que un match, tu vas me dire. Parce que c'est un match important, c'est Paris. donc C'est pour ça qu'on l'a encore en travers de la gorge, on l'a dans la tête. Mais voilà, c'est des grandes échéances et ça compte plus que les autres. On n'est pas Montpellier, hein. on doit jouer de manière courageuse face au Paris Saint-Germain à domicile, parce qu'il y a un vrai complexe, c'est la vérité. Et puis c'est à cause d'eux, hein. des joueurs, du coach, qu'on se fait autant chambrer cette semaine, qu'on ait la honte sur les réseaux sociaux, etc. Il faut en vouloir à l'OM avant tout, à l'Olympique de Marseille. Et puis je sais que cette équipe, elle paye aussi le fait que ça fait trop de fois, ça fait trop longtemps qu'on subit des humiliations dans les matchs importants. Mais là, c'en est trop, c'est la goutte d'eau. Vous avez vu les supporters à la sortie du stade Ils avaient là, hein. j'ai discuté avec plein de personnes cette semaine dans la rue, etc. Ouais, c'est dur à digérer. Et puis je vous ai montré, hein, la bronca du Vélodrome. Non, 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 non. On le sait que Paris est plus fort, etc. Mais le truc qui est grave, qui est inadmissible et qui est dur à digérer pour nous, c'est que le PSG était plus motivé que l'OM sur le terrain. Et ça, c'est grave. Quand tu vois l'ambiance qu'il y avait avant le match, toute l'atmosphère autour de cette rencontre à Marseille, etc., Paris, bon, ils sont favoris, ils ont les stars, etc. Mais quand même, ils arrivent sur le terrain plus motivés que toi. Et ça, on ne peut pas le pardonner. On voit que les joueurs, pour la plupart, ce n'est pas des supporters de l'OM. Hein. Aucun amour propre. Hein. Ils se font balader pendant 90 minutes, tourner en bourrique. Ils sont largement dominés, il n'y a aucune réaction. Alors que pour nous, c'est le match de l'année contre le gros rival. Enfin bref, on s'est fait salir, hein. on s'est fait souiller tout simplement. Bon, pour la faute hein, et le contact entre Harit et Martinez, c'est clair qu'on voit bien la marque. Mais il n'y a pas de volonté d'Harit d'aller le toucher. Marquinhos si il le sait, il se jette presque volontairement, c'est le début du match et malheureusement l'arbitre il a appliqué la règle comme un, comme un flic j'ai envie de dire. C'est que des matchs lisses maintenant les OMPG, des matchs de danseuses, il y a 15 ans jamais un carton rouge comme ça aurait été distribué, jamais de la vie. Ça représente cette décision, le côté politisé, dégueulasse du football à l'heure d'aujourd'hui. Ça. Ça a tué le match, même si moi je pense même pas à l'arbitre. Je pense même pas au carton rouge, moi. Je vous assure, et c'est sincère. Sinon j'en parlerai, vous me connaissez. Mais on a tellement été dominé pendant 20 minutes que limite je m'en fous en fait. Et je suis sûr que Paris aurait gagné le match largement. Mais oui, c'est un carton rouge qui est sévère. Et dans 90% des cas, il n'y aurait pas eu rouge. Voilà. C'est la vérité tout simplement. Vous pouvez avoir votre interprétation, mais regardez un autre match de Ligue 1, hein, une faute de ce genre. Il n'y aura pas rouge d'entrée de jeu. Et vous savez c'est quoi la preuve pour un geste qu'on qualifie de dangereux En général, quelqu'un qui prend un rouge, il prend deux matchs de suspension. Et bien là, Harit, il a été suspendu un seul match. Il a pris un match ferme. Donc c'est pas normal, c'est pas logique. D'ailleurs, dans les quatre rouges qu'on a pris cette année, il n'y en a aucun qui est valable. Aucun. Quand on voit un petit peu euh, tous les ralentis à Lyon, contre Nice, contre Paris et le quatrième euh, contre Angers. Dans ces quatre rouges, à chaque fois, il y a eu un match de suspension maximum. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Que oui, ils ne veulent pas déjuger la décision de l'arbitre. Il y a rouge. Mais en gros, euh, c'est sévère. Donc, on ne va pas mettre plusieurs matchs de suspension. Voilà l'avis de la commission. Allez, on a assez souffert. On va passer au match de dimanche contre Nantes. Donc, l'avant-match complet. Je vais commencer par faire le petit pronostic. Et je vais m'adresser à la team parieur. Ceux que ça peut intéresser sur Unibet, vous avez une belle offre de bienvenue. Si vous passez par mon code promo. RAF Foot 10, déjà 10 euros offerts sans dépôt. Avec le lien qui est en description et en commentaire épinglé, si vous passez par ce lien, vous avez 10 euros offerts sans dépôt d'entrée. Et comme d'habitude, jusqu'à 100 euros de bonus en bet qui vous sont accordés si vous passez par mon lien et si vous rentrez mon code promo. Tout simplement. Si vous avez des questions, je vous réponds sur Instagram là-dessus. La team parieur, ceux qui parient de temps en temps sur les matchs, n'hésitez pas. Et chaque inscription, bien sûr, ça me soutient pour développer la chaîne et continuer dans mes projets, mon travail, entre guillemets, etc. etc. Donc merci à ceux qui le font. Par contre, c'est pour les majeurs. Hein. Si vous êtes mineur, il est hors de question de miser sur des jeux d'argent. C'est interdit. Et même pour les majeurs, miser en fonction de vos moyens financiers, et ne faites pas n'importe quoi. L'OM est coté à 2, hein, pratiquement, ce qui est beaucoup contre une équipe qui est 12ème du championnat, même si on joue à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'elle est intéressante, la cote simple, victoire de l'OM. Il y a une formule. Qui donne envie avec Greenwood buteur, victoire de l'OM et plus de deux buts dans le match à 4,80. Et puis le paris sécure, match nul ou victoire de l'OM et plus d'un but dans le match, c'est 1,60. Il y a aussi une autre formule qui peut être intéressante, victoire de l'OM et plus d'un but dans le match, 2,37. Donc voilà un petit peu les formules les plus intéressantes que j'ai sélectionnées. Moi, je partirais sur une victoire de l'OM en cash. Je vois un score précis de 2,1. Même si je n'ai pas une confiance non plus excessive sur ce match, je vais en parler dès maintenant. Alors cette rencontre, ça va nous permettre de voir est-ce que l'équipe a des ressources mentales. Parce qu'on sort d'une grosse claque. Ils ont vu les joueurs, hein, toute la presse en parler cette semaine. Ils savent à quel point ça a été dur à digérer pour nous et même pour eux, hein, je pense. Parce qu'ils ont été lourdement critiqués, à juste titre. Là, tu as un match contre une équipe bon, qui est sur une série négative. Hein. Ils n'ont plus gagné depuis 5 matchs, Nantes, alors qu'ils avaient bien commencé la saison. C'est une équipe qui va jouer entre la 10e et la 14 place, je pense. Ils vont réussir à se maintenir. Ils ont quelques joueurs de talent, comme Zézé en défense centrale, qui fait un très bon début de saison. Simon, l'ailier nigérian, toujours un joueur remuant, dangereux. Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien que j'aime beaucoup, un avant-centre combatif qui a l'instinct de buteur, loin d'être maladroite devant le but. Et puis le pénant, l'ancien Lyonnais qui a du ballon, même si c'est pas non plus exceptionnel, il me rappelle un peu Maxime Lopez dans son profil. Le pire dans tout ça, c'est qu'au classement, il n'y a pas urgence. On est troisième du championnat. Comptablement, c'est pas trop mal pour l'instant, mais on a des gros doutes. On est inquiet, on reste sur trois matchs très inquiétants sur les quatre derniers quand même. On s'aperçoit aussi qu'on n'a pas du tout de numéro 10 digne de ce nom. Et pour le jeu de service, c'est quelque chose de primordial. Pour arriver à orienter le jeu comme il se doit, que ce soit en transition, ou même lors des sorties de balle, on a une façon de jouer un peu trop scolaire. Mais ça, c'est dû au fait que les joueurs, ils n'ont pas encore assimilé totalement notre plan de jeu, et ça fait qu'on déjoue un petit peu de temps en temps. Notre possession de balle est un petit peu trop scolaire, à vouloir s'appliquer, s'appliquer, etc. Il ne faut pas oublier qu'on doit jouer au foot avant tout. Le jeu de Serbie, c'est un jeu, oui, où on a la possession, mais un jeu de verticalité. Il doit y avoir un petit peu d'intensité. Et pas que ça soit que de la passe à 10 derrière. Et c'est un peu ça l'OM pour l'instant. Et puis il y a quelque chose qui est mystérieux, c'est pourquoi l'équipe ne va pas presser l'adversaire. Avec deux Zerbi à Brighton, il y avait un minimum de pressing sur le porteur de balle adverse, hein, même un pressing assez haut. Là, on ne l'a pas vu, si ce n'est un peu en match de préparation. Le coach doit avoir ses raisons, mais on ne les connaît pas. De notre côté, on se pose légitimement des questions. Pour l'instant, et ce n'est pas une critique, hein, c'est un constat, on ne voit pas le fameux deux Zerbi Ball. Alors que des coachs comme Bielsa, comme Tudor, ils ont imposé leur patte d'entrée. Même si je sais qu'en fin de saison, ça a coulé parce qu'on connaissait leurs exigences. C'était dur pour les joueurs physiquement. Et de Zerbi, lui, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. J'en suis conscient, Marseillais. Le cas dit, j'aimerais un peu en parler. Moi, je ne le remets pas en question. C'est vrai que le statut de capitaine le pèse. Ça le rend beaucoup nerveux. Et j'aimerais que ça soit heuberg. Même s'il vient d'arriver. Bon. On voit de plus en plus de capitaines qui sont arrivés au club il y a quelques mois ça c'est un petit peu une règle dans le foot de toujours hein. quand tu dois être capitaine faut un minimum de longévité pour être crédible mais bon ça bouge tellement les effectifs maintenant de plus en plus que et puis c'est la meilleure solution tout simplement Balerdi ça le rend nerveux je suis pas inquiet sur son cas je sais qu'il va rebondir alors oui c'est pas encore un joueur parfait il fait des boulettes de temps en temps pas que dans les grands matchs forcément je comprends la colère l'agacement mais ça reste notre meilleur défenseur Parmi les joueurs disponibles, hein, je ne parle pas de Mbemba, il faut l'encourager. Lui, c'est le premier touché parce qu'il s'est passé dimanche. C'est un amoureux du club qui a voulu rester. Il doit cogiter dans sa tête. Ne soyons pas trop sévères, trop critiques avec lui. Pour moi, ça serait sévère de lui tomber dessus de manière excessive. L'an passé, il a été énorme. Il a fait un début de saison correct, hein, son carton rouge à Lyon, bien sûr, qu'il était sévère, même si là, encore une fois, il était nerveux en début de match. Je fais confiance à Balerdi en tout cas. C'est mon avis, parce que je vois qu'on est très divisé à son sujet, et je respecte tous les avis. Mais je donne le mien quand même. Pour revenir à cette équipe de Nantes, les joueurs les mieux notés, c'est Simon et Zézé. Parmi les meilleurs buteurs, bon, il n'y en a pas véritablement hein, Simon, Ablin, le pénant, deux buts. Ça m'étonne que Moussa Mohamed, il est pas plus scorer que ça. Et en termes de derniers résultats entre Nantes et l'OM, on est plutôt en réussite. Notre dernière défaite, c'est en 2018, 3-2 chez eux sous Rudi Garcia, sa dernière saison. Sinon, on reste 5 matchs sans défaite à l'extérieur, avec une victoire sous Sampoli 1-0, but de Gerson, et 2-0 sous Tudor, but de Unahi en fin de match. Et on voit qu'ils ont encaissé au minimum un but sur les 6 dernières rencontres. Alors voici la compo que je mettrai. Merlin côté gauche qui a repris depuis un petit moment, qui peut être disponible d'entrée de jeu, même si De Zerbi se pose la question, mais il est tellement important qu'il faut le mettre titulaire, surtout que Garcia, il a toujours quelques pépins physiques apparemment. Cornelius, qui doit retrouver sa place en défense centrale aux côtés de Balerdi. murillo à droite, même si on peut se poser la question, est-ce que Meite peut avoir sa chance, notamment en défense centrale, parce qu'à droite ce n'est pas un vrai latéral de formation je choisis pas de mettre Lirola là parce que défensivement il me fait peur. Murillo c'est un peu l'inverse. Avec le ballon c'est compliqué mais défensivement il a d'ailleurs bien tenu contre Barcola ce week-end. Au milieu de terrain Rabiot, Heuberg et je choisis Kone plutôt que Rongier, même s'il y a débat, pour avoir un choix un peu plus offensif, un peu plus impactant dans le camp adverse. Parce que sinon on aurait un trio vraiment composé en 4-3-3. Avec Greenwood, Rowe qui aurait le ballon mais qui n'aurait pas de solution au milieu de terrain, qui n'aurait pas de meneur de jeu tout court sur lequel se reposer. Et Piconnet, de Zerbi, nous a avoué dès son arrivée qu'il comptait l'utiliser à ce poste-là. Donc c'est le moment pour lui d'avoir sa chance en tant que titulaire. Je sais que son entrée contre Paris n'a pas été bonne, qu'il n'a pas marqué des points, mais bon, il vient d'arriver, c'était des entrées en jeu de quelques minutes. Il faut être patient avec lui, il y a un potentiel chez ce joueur. J'espère qu'il va le démontrer chez nous, j'espère qu'on va le développer. Mais il me fait penser à d'autres qui avaient du mal un petit peu au début, qui se cherchaient mais qui ont explosé au bout d'un moment. En tout cas, j'y crois toujours pour ait. Et le trio d'attaque, Rowe, Greenwood sur les côtés, dans leur meilleure position. Hein. Rowe à gauche, Greenwood à droite. Espérant que Greenwood revienne un peu plus défendre hein. et vienne prêter main forte à Murillo. C'est la base quand il est un joueur professionnel de faire aussi le travail dans le jeu sans ballon qu'il n'a pas fait contre le PSG. Et ça, c'est quand même grave. Hein. Dans une telle affiche, il a un petit peu triché, il a un petit peu joué pour lui. Même si ça a été le seul qui nous a amené une mini-occasion. Un corner d'ailleurs qui ne nous a pas été accordé pour Luis Enrique. Il est fort contre les faibles pour les 100 Greenwood. C'est déjà ça, hein. il fait un bon début de saison. Et par contre, contre Nice, contre le PSG, on ne l'a pas vu. Hein. Mais bon, il doit être quand même titulaire, bien entendu. Et entre Mopé et Wai, j'utilise Mopé pour un petit peu le relancer, voir ce que ça va donner et surtout pour un petit peu mieux combiner avec ses coéquipiers. Dans les remises, dans le jeu d'eau au but, je pense qu'il va être motivé, qu'il va vouloir saisir sa chance, qu'il va être hyper actif sur le front de l'attaque. Pour l'instant, personne ne se détache, donc il faut les mettre un peu en concurrence. J'avais apprécié la connexion entre Rowe et Wai hein, contre Montpellier, mais bon, Mopez, c'est un joueur intelligent qui a cette expérience et qui je pense peut bien aussi se coordonner avec Greenwood, Rowe, moi ce que vous en pensez en commentaire de ma compo d'équipe. Maintenant, la conférence de presse d'aujourd'hui, les déclarations fortes. louis Enrique qui reconnaît qu'il doit prendre plus de risques dans son jeu, qu'il doit être plus décisif, donc c'est bien. Il en a conscience et qu'il essaie de travailler ça à l'entraînement. Il dit aussi que les joueurs sont plus anxieux au Vélodrome parce que l'attente des supporters est très importante. Et je trouve ça quand même triste. Et très grave, cette déclaration. De ne pas être serein à domicile devant une telle ambiance. Il le reconnaît, hein, vous avez vu. Hein. Il a dit à vive voix tout à l'heure. Dès l'échauffement, les mecs ils avaient la peur aux ventes hein, dimanche. Mais j'en ai connu des générations à l'OM depuis 20 ans qui ne répondaient pas présents dans les gros matchs quand il y a le feu, quand c'est le volcan, tout simplement. Enrique il dit aussi que deux Zerbi était en colère hein, cette semaine. On l'avait appris dans l'équipe euh, il y a quelques jours, qu'il n'avait pas apprécié l'attitude des joueurs, même si pour moi, il en est responsable dans son approche, dans sa compo, dans ses consignes. Forcément, hein. Il a demandé à ses joueurs de jouer plutôt au Bokba, du moins je le pense, et cette semaine que le coach les a fait travailler beaucoup plus durement. D'ailleurs, De Zerbi nous dit que Merlin est disponible, il peut être titulaire, que Brassier, ce n'était pas son poste. Il a enfin compris, je pense, quand on voit sa déclaration. Greenwood se fait un petit peu taper sous les doigts en disant qu'il n'est pas toujours régulier. Bon, on l'a vu dimanche, hein, il le sait d'ailleurs. Hein. Il était sorti à la mi-temps. Et il rappelle que construire qu une équipe, ce n'est pas facile et que comptablement, le OM n'est pas si mal que ça. Voilà, qu'on a été réduit à 10 pendant 4 matchs, même si ça n'excuse pas tout, loin de là. Mais là, c'est un petit peu une communication pour ne pas trop enfoncer ses joueurs. Vous connaissez les entraîneurs, hein. parfois il faut être dur, parfois il faut un peu les protéger devant la presse. Parce que je pense qu'il est un peu inquiet de certaines choses. C'est évident. Notamment sur l'aspect défensif, où il dit qu'on doit mieux faire qu'on se met trop tout seul en danger qu'on doit avoir plus de personnalité, plus de caractère, plus de combativité tout court, ne pas subir les matchs, être plus agressif qui cherche à trouver l'équilibre dans cette équipe, sont 11 types, type et ensuite peaufiner à peaufiner le jeu petit à petit et qui réclame un pressing un peu plus haut, mais ça j'ai du mal à le comprendre quand je vois les matchs de l'Ouen depuis le début de saison. Et ça serait grave si c'est pas respecté par Wahi, par Greenwood ou par Luis Enrique. Ouais, ça c'est un peu étonnant et pour finir il reconnaît qu'il cogite, qu'il se remet souvent en question sur ses choix, sur son approche, etc. Donc ça aussi, je trouve ça noble de sa part. Et de Zerbi, je l'encourage, bien sûr, je crois en lui, je suis en colère du match de dimanche, parce qu'il est responsable, mais ça ne veut pas dire que je ne crois plus en lui, c'est logique. Alors vous êtes au courant, le club est en crise interne, il y a un gros clash entre Jean-Pierre Papin, l'entraîneur de la réserve, et Alizarak, le responsable de la réserve, soi-disant. JPP a dit « c'est soit moi qui pars, soit Alizarak qui doit partir ». Il y a des grosses tensions parce que ce fameux Alizarak, qui a été recruté par Benassia au mois de janvier passé, il se mêle trop des choix sportifs de JPP, de ses compos, du temps de jeu de certains joueurs, etc. Pourtant, Papin a fait du bon travail hein, l'an passé. Il a repris la réserve qui était relégable et puis il a remonté l'équipe petit à petit. Cette année, il vise la première place. Il n'y a pas de souci entre JPP et De Zerbi, hein. ça c'est clair et net. Il a démenti, et De Zerbi aussi, on a parlé tout à l'heure en conférence de presse. Mais Alizara qui en plus, il a une mauvaise réputation, parce que dans ses précédents clubs, à Auxerre, à Lorient, il avait beaucoup de problèmes de ce genre. Alors je ne remets pas en doute hein, qu'il doit être compétent, qu'il doit avoir un réseau, etc. Mais avoir une telle responsabilité à l'OM et oser se confronter de cette façon à Jean-Pierre Papin, c'est inadmissible, c'est honteux. Papin, c'est peut-être la plus grande légende de l'histoire du club, si on est honnête. Il faut quand même un petit peu respecter cela. Alizarak, c'est juste un scout qui a été à Le Havre, Lorient, Auxerre, dans des clubs de seconde zone, et qui là se voit propulser à l'Olympique de Marseille, et qui ose se confronter à Jean-Pierre Papin. Donc il n'est pas légitime, il n'est pas crédible, tout simplement. En termes d'image, c'est compliqué. Qu'il fasse le lien entre deux Zerbi et Jean-Pierre Papin, c'est quand même une responsabilité beaucoup trop grande pour quelqu'un qui a aussi peu d'expérience. Il y a aussi le clash avec Mbemba cet été. C'était lui qui était dans le coup. Vous vous souvenez de cette affaire il y a un autre exemple qui nous est donné avec Bacola que JPP utilise comme numéro 9 alors qu'il le conseille de le mettre en tant que milieu relayeur. En tout cas, c'est le bordel parce que papa il a aussi reçu des menaces il y a quelques semaines devant chez lui une moto qui s'est arrêtée en lui disant de partir de l'OM. Donc lui a porté plainte. Et c'est une démarche qui est soutenue par l'OM. De qui ça vient, qui est envoyé, on ne sait pas, mais ça c'est totalement une affaire. Digne de l'OM depuis 30 ans, on se croirait à l'époque des années Robert ludrefus se voir un petit peu après. C'est malheureux, c'est triste, surtout pour une légende du club. Et puis il y a toujours quelque chose, que ce soit dans le staff médical, au niveau de l'administration. Bon, maintenant, ça concerne la formation. Il n'y a jamais euh, 3-4 mois sans qu'il ne se passe rien, malheureusement. C'est que papa n'est pas un grand entraîneur. On l'a vu pendant sa carrière. Mais là, avec la réserve de l'OM, il est arrivé un petit peu en mission sauvetage. Il fait du très bon travail jusqu'à présent. Il est très apprécié des jeunes. Donc, ça serait inadmissible qu'on se saborde et qu'on salisse aussi l'institution. Parce que Papin, c'est aussi l'institution de l'OM. C'est une légende, clairement, du club. Parmi le top 3, largement. C'est un peu dégueulasse qu'un mec comme Alizarak, qui a peu de crédibilité, d'expérience, qui a eu des problèmes de comportement à Auxerre. Hein Les mêmes qu'actuellement, apparemment. Qui à l'Olympique de Marseille, il y a eu l'affaire Mbemba. L'affaire aussi Ryan Assad qui avait souhaité un joyeux anniversaire à Mbemba en l'appelant cousin sur Instagram. Lui, je crois qu'il a été viré d'ailleurs. Donc, euh, tout ne se passe pas bien à ce niveau-là, au niveau du centre de formation. Est-ce que c'est Alizara qui est responsable de ce bordel Oui, je pense. C'est un choix de Benassia, les amis. C'est Benassia qui l'a fait venir en janvier. Alors, je ne suis pas en train de dire que Benassia, faut le critiquer, etc. Parce qu'il y a un mois, on était tous en train de dire qu'il faisait un super travail. On le défendait corps et âme. C'est pas pour retourner notre veste, c'est demander le départ de Benassia. Sinon, ça voudrait dire que le soutien à Marseille, c'est quelque chose de fragile, en fait. Vraiment. Mais il doit prendre ses responsabilités. Il y a eu du mal de fait avec Ali trop même. Et il doit partir, tout simplement. Parce que c'est un choix de lui. C'est son pote depuis longtemps. On le sait tous. Voilà. Est-ce que Papin il aurait pas dû faire cette interview? Peut-être. Peut-être. Parce que là. Publiquement comme ça. Il aurait pu laver le linchal. En privé, mais bon, ça peut accélérer les choses. Là, c'est clair, c'est le choix entre Papin ou Alizarac. On verra comment le club va gérer euh, ce dossier là. ce c'est pas n'importe quoi, hein, c'est celui qui nous a permis de remonter le centre de formation depuis quelques années. Ben lui aussi devrait partir, parce qu'il y a des tensions, des divergences avec sa direction. Et l'OM aurait acté donc son envie de partir et de mettre fin à sa mission. C'est aussi un homme considéré en Espagne comme un surdoué de la formation, hein. toujours des départs. Toujours des départs, c'est incroyable. Et ça, c'est sous la présidence de Longoria. Et toujours des départs qui se font de manière un petit peu houleuse. Notre centre de formation qui a des bons résultats depuis quelques années. Là il est en train de partir à volo. C'est dommage parce qu'on a gagné la Gambardella au mois de mai. On a fait signer pro les joueurs les plus talentueux qui ont le plus de potentiel, la plupart du moins. Et là, il y a l'affaire à qui pose beaucoup de problèmes à l'entraîneur de la réserve JPP. Il y a Otero qui va partir. Donc ça se passe mal au niveau du centre de formation en général. Allez, on va passer à la suite. On a appris cette semaine que Longoria a été élu vice-président de la LFP. Alors qu'est-ce que ça veut dire Il y a deux visions à avoir. Soit on aura plus de poids pour l'ouvrir, pour se défendre, pour faire respecter l'OM tout simplement. J'espère que ça sera le cas. C'est quand même une responsabilité. Soit au contraire, on sera... Le toutou de Nasser, qu'il ne va pas oser aller contre ses décisions et que euh, ça ne changera rien, tout simplement. Donc j'espère que Longoria aura beaucoup plus de poids et surtout qu'il va se servir de ce poste-là pour défendre l'OM encore plus. Vous savez à quel niveau, hein je ne vais pas vous faire de dessin, mais c'est quand même quelque chose de bien. Mais à confirmer, c'est parce qu'on connaît l'importance de certaines personnes, hein, comme Nasser, etc. Il ne faudrait pas qu'on renforce la position, qu'on soit le toutou de service de Nasser. Non, bien au contraire il faut imposer nos convictions on est l'Olympique de Marseille un club immense en France et l'Angoria doit se faire entendre finir la vidéo une petite réponse à certains supporters parisiens bon qui nous chambrent c'est normal mais quand j'entends dire que le Vélodrome s'est vidé avant la fin du match normal comme dans tous les stades en France quand tu perds 3-0 contre ton rival au bout de 30 minutes 40 minutes il y a des tribunes latérales qui se vident petit à petit c'est pas quelque chose qui m'a choqué, qui m'a étonné plus que ça, parce que ça se produirait partout ailleurs. Même au Parc des Princes, ça s'est déjà passé. Hein. En 2009 et 2010, quand on les a battus 3-0 et 3-1, le parc s'est vidé bien avant le coup de sifflet final en tribune latérale, surtout. Hey, les Marseillais qui partent avant, c'est ça la ferveur du vélodrome. Donc, en gros, si je, vais, je vais suivre votre raisonnement. Vous euh, généralisez. Deux, trois centaines, allez, même un millier de personnes qui sont parties à la mi-temps, sur 66 000, 67 000, vous en prenez 1000, vous généralisez. Pas de problème. Donc, j'imagine qu'à l'époque de Boulogne, quand il y avait quelques centaines de fachos, allez, un millier, deux milliers de fachos, si je suis votre raisonnement, tout le Parc des Princes était facho. Alors, ah ben, je suis votre raisonnement. Si je suis votre raisonnement, tous les mecs qui sont en tribune latérale au Parc des Princes, qui ne sont pas au Cup, hein, tribune latérale qui se font faire la barbe, qui partent avant, qui achètent des maillots de Neymar pour les revendre après une défaite en Ligue des Champions, parce qu'on l'a vu sur les réseaux, les mecs qui revendaient leurs maillots tout de suite parce qu'on a fait éliminer en Ligue des Champions. Alors vous êtes tous pareils. On prend tout le monde, on dans le même panier. Donc vous êtes un public de footix. Vous êtes un public de fachos d'époque et de footix maintenant, si je suis votre raisonnement. Généraliser 5% d'un public à tout un peuple. C'est dans tous les stades que les gens partent avant quand le score il est défavorable. On, on se rappelle PSG Real Madrid en Ligue des Champions, où à la 70e, les Parisiens quittaient le Parc des Princes par milliers. Le PSG OM 2009, j'ai re retrouvé cette image, comparé au OM PSG où on perd 5 à 1, quand nous on vous met 3-0 au parc, regardez la différence. Lequel de stade se vide le plus vite Hein Ça se fait dans tous les stades, donc arrêtez d'inventer. Voilà, donc ne faisons pas les hypocrites, ne touchons pas à la ferveur du vélodrome qui est dix fois supérieure. À la cathédrale du parc des Princes, on est au-dessus de vous, de ce côté-là. Alors, je sais que ça vous fait chier, parce qu'on parle tout le temps du Vélodrome, les médias. Enfin, c'est connu dans le monde entier. Les même les joueurs parisiens, tiens, je vous mette les photos. Les anciens joueurs parisiens sous QSI, ils vendent toujours l'ambiance du Vélodrome. Tous ceux qui sont passés dans ce stade, qui l'ont vécu en vrai dans un gros match, le disent. J'ai même vu des vlogs là de Parisiens dimanche qui disaient, j'avoue, grosse ambiance. Donc venez. Mais je pense que vous en êtes conscient, au fond, que c'est chaud au vélodrome, mais vous voulez nous taquiner, nous titiller, même sur ces sujets-là. Il n'y a pas de souci, mais ne nous demandez pas d'être objectifs sur d'autres débats. L'atmosphère qu'il y avait à Marseille toute la journée, l'ambiance avant le match, des chants aussitôt qui sortent du stade, tu le vois nulle part ailleurs dans les cinq gros championnats européens, avec une telle puissance vocale, hein, je précise. C'est impressionnant. J'ai vu, tiens, un commentaire sur Mouvement Ultra d'un ancien abonné de Supra Hauteuil, vous connaissez les Catarics, Supra Hauteuil, ancien groupe de supporters très connu à l'époque avant le plan le Proulx. Il a dit ouais, le vélodrome ça envoie, hein ça envoie, c'était le tonnerre quand les parisiens ils sont sortis s'échauffer, la bronca. C'est pour ça qu'ils ont été sous-motivés. Ils se sont tellement fait siffler pourrir à l'échauffement, ça te motive. C'est pas un match comme un autre. Eh oui, tandis que nous nos joueurs, ça les motive pas, ça leur fait peur, ça les fait trembler. On est complexé. C'est comme ça, sur le terrain, je précise. Hein. Comme vous en Ligue des Champions, lors des matchs je fascine. Et puis sportivement, oui, Paris a fait son match dimanche, Paris a été bon. Vraiment, ils ont fait le match qu'il fallait. Mais j'attends de voir le PSG contre des équipes du même niveau en Ligue des Champions. Parce qu'on peut pas dire, ça me fait sourire, cette euh, fausse modestie, de dire Non, on vise pas de gagner la Ligue des Champions. Quel culot avec un tel budget, avec autant d'argent dépensé, parce que faut le dire, et avec une équipe qui a une telle valeur marchande. Qui est dans le top 10 des meilleures équipes en Europe. Quand j'entends aussi certains supporters du PSG nous dire qu'aujourd'hui, l'objectif du, du PSG, ce n'est pas de gagner la Ligue des Champions, et vous vous foutez de la gueule de qui, en fait Après plus de 2 milliards d'investis depuis 2012, hein, vous, a, vous avez des, des transferts records historiques. Vous avez tout eu, vous avez tout eu, vous avez tout eu. Et aujourd'hui, tu entends des gens. J'entends certains, pas tout le monde, mais j'entends aujourd'hui des supporters du PSG en train de nous raconter que Paris est en reconstruction. Hein. On est en reconstruction, nous, aujourd'hui. Arrêtez. Mais arrêtez, S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà. Gagnez votre Ligue 1, gagnez votre Coupe de France, gagnez votre trophée des champions. Et voilà, laissez l'Europe pour les grands clubs. Voilà. Et ouais, les gars, faut attendre, c'est normal. On vous demande de la gagner une fois. Il y a bien une année où ça doit être la vôtre quand même. Pas de la gagner tous les ans, ou tous les trois ans, mais de la gagner une fois. Ça doit passer au bout d'un moment. Vous avez plus de chances de la remporter en 13 ans que de ne pas la gagner avec autant d'investissement. Donc quand j'entends dire ça, non mais on sait qu'on ne gagnera pas la Ligue des champions. Pour moi c'est pire que les supporters de l'OM qui s'enflamment en début de saison. Qui, disent, qui ont des ambitions et qui l'assument au moins. Qui ont des coronesses de le dire. Parce qu'en disant, ouais, on va pas la gagner, on le sait très bien, on le sait très bien, mais vous vous protégez en disant ça, c'est pas possible. Alors oui, il y a quelques équipes européennes qui sont meilleures que le PSG, mais il n'y en a pas 50 non plus sur le papier, je parle, financièrement, tout simplement. Ça me fait penser aux supporters de l'OM qui disent, on doit être dans le top 5 cette année, ça serait déjà pas mal. Non, on doit être dans le top 3, je pense. C'est ambitieux, tout simplement, parce que nous, on est en reconstruction pour le coup, hein. on a changé toute l'équipe. Alors que vous, vous êtes en reconstruction encore cette année, je l'ai appris, apparemment. <laughs> Elle est belle l'affaire. Comme a dit euh, mon pote Francky, avec autant d'argent, t'es en reconstruction, tu te fous de la gueule de qui, franchement Paris s'impose dans les gros matchs du Ligue 1, c'est une bonne chose, même si c'est le minimum, mais le font quand même, ils répondent présent, rien à dire, à confirmer, à hein, contre Monaco, etc. Mais on vous attend en Ligue des Champions, contre des équipes du même niveau. Et quand je vois Paris se faire balader par Arsenal, bon, j'ai pas vu le match, mais... Tout le monde a dit que Paris était en dessous. Et que vous vous dites en grande majorité hein, c'est normal, Arsenal est plus fort, on n'est pas au niveau, etc. Mais moi, ça me choque un peu quand même. Quel manque d'ambition Avec une équipe comme ça, tu dois rivaliser contre Arsenal, contre le Bayern, contre. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Comme si nous, on se fait balader par Monaco dans un mois et qu'on va dire euh, juste après oh, Monaco est plus fort, ils sont en avance sur le projet, c'est normal. On fallait s'y attendre. Les gars vous n'êtes quand même pas très exigeant avec votre club. Et quand ça se passe comme ça, ce n'est pas une bonne chose pour ton club et ton équipe. Parce qu'ils ne vont pas vous surprendre positivement. Ils vont vous écouter. En Ligue des Champions, bah, ils vont perdre. Dans les grosses affiches, ils vont perdre, logiquement, comme vous dites. Voilà, pas de souci. Il n'y aura pas d'effet surprise. vous inquiétez pas. Donc voilà, voilà, voilà. Paris n'a pas fait un exploit dimanche. J'espère que vous en êtes conscient. Paris a affronté un très faible OM. Très, très faible OM. On peut le voir comme ça. Et c'est la vérité. Maintenant, on verra en Ligue des Champions. Parce que c'est là où on doit vous juger. Et nous, on l'a gagné, je répète. On l'a l'étoile. On sera toujours plus légitime que vous pour se moquer en Coupe d'Europe. Toujours. Sauf si vous la gagnez un jour. Moi, je serai le premier à le dire. Ça y est, vous nous avez égalé. Il n'y a pas de souci. Je ne dirai pas, vous l'avez enfin gagné. Sauf si vous la gagnez dans 30 ans, 40 ans. Là. Tous les, les supporters parisiens qui insultent la ville, qui insultent le Vélodrome, qui insultent les Marseillais de Sargine, qui insultent... Euh, euh, ce que font les supporters de l'OM avec leurs tchifos, avec bon, tous ces gens-là. Euh, franchement, vous me dégoûtez. Vous avez gagné, tranquillement, il n'y a pas de problème. Ça reste du foot, ça reste un match euh, de ballon. Tu vois. Mais à un moment donné, euh, c'est bon, j'ai entendu trop de choses, vraiment pas bien. Voilà, C'est grave pour du foot d'aller insulter comme ça, d'aller... Euh... Je ne comprends pas, moi, les gars, ce manque de, de, de respect. Donc voilà, moi aussi, quand tu vas sortir de la Ligue des champions... Je serai le premier à venir chambrer. Voilà, c'est normal. Donc, on connaît votre chanson, ouais, mais toi tu joues pas la Coupe d'Europe, qu'est-ce que tu parles Je m'en fous. Voilà, je m'en fous complètement. Mais je vous donne la mentalité de la plupart des supporters de l'OM. Hein. Vous allez à Marseille dans la rue, vous demandez euh, ça représente quoi le PSG Ils vont vous dire euh, club de losers, club de losers en Ligue des Champions, euh, le QSEG, l'argent, l'argent, et toujours euh, en finale ils tombent, ils tombent. Et ils ont pas, ils ont pas l'âme, ils n'ont pas les épaules. Pour l'avoir elle LDC, tout simplement, c'est ce que pensent tous les Marseillais. Malgré la défaite de dimanche, il n'y en a pas un qui se dit Oh, Paris, respect, Paris, c'est trop fort. Non Vous avez été bon, vous avez été meilleur, vous avez fait le travail parce que vous étiez quand même favori avant ce match. La plupart le disaient quand même, enfin j'espère. Et ceux qui ne le disaient pas, je comprends que vous dites C'est bien fait pour vous, vous êtes trop arrogant. Oui, là, je comprends. Mais je répète aussi, dernière chose, que ce n'est pas les Marseillais qui voyaient un match qui y croyaient c'est les médias et ça, vous n'en parlez pas. Et c'est les supporters parisiens. J'ai même euh, des émissions entre eux qui se le disent. Moi, j'en veux aux parisiens. Après ce match euh, au vélodrome. Qui était inquiet après le PSV. Qui pronostiquait une défaite pour certains. Quand c'est tout le monde qui le dit, même les médias, c'est trop facile de dire Ouais, les Marseillais, comme d'hab, vous vous enflammez. Ben non. Il n'y a pas que nous. La preuve. On verra. Si vous allez en Ligue des Champions, vous réveillez. Si ce n'est pas le cas, on va vous chambrer fortement avec. Euh, Grand plaisir, c'est normal, la rivalité n'est plus égale entre vous et nous pour des raisons financières. Donc, ça, on en paye les frais, hein, parce que dans les classicaux, vous êtes favoris, vous nous chambrez plus que nous, etc. Donc, nous, on met les bouchées doubles quand vous sortez en Ligue des Champions. Et c'est normal, c'est notre fierté numéro 1. On l'a gagné, on est le seul club français à l'avoir gagné. Et c'était un plaisir de voir le PSG se casser les dents chaque année en Ligue des Champions. Quand Dortmund, ils vous battent l'an dernier, ça nous a procuré un moment de frisson. Un moment de frisson réel. Mais ça, faut le vivre pour le comprendre. C'est comme si on avait à moitié gagné le match par rapport à vous. Ça, c'est impossible de vous l'expliquer. Je sais, vous allez pleurer dans les commentaires, vous dire vous ne pouvez pas parler, vous êtes troisième du championnat, vous avez perdu contre nous. Mais tu as tout l'argent du monde pour aller au sommet et tu l'as jamais fait en 13 ans. Donc réveille-toi au bout d'un moment. Enfin bref. Allez, Paris, ils ont gagné. Ils sont en bonne position. Enfin, en bonne position, oui et non, parce que leur début de saison n'est pas non plus extraordinaire, surtout en Ligue des Champions. Voilà les gars. Ah je vous avais prévenu, hein. moi je suis là pour défendre l'OM en étant cohérent, en n'étant pas non plus ridicule dans mes arguments. Et là je ne suis pas ridicule dans mes arguments. Je dis des choses sensées et logiques. Je défends l'OM, tout simplement, face aux bêtises de certains qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui, ils ont gagné le match, mais c'est pas une raison pour dire tout et n'importe quoi. Je parle de certaines bêtises. Hein. Après, je comprends qu'on se moque de nous après le match de dimanche. Une fois de plus, on passe au travers dans ces matchs-là. On n'assume pas, on joue même pas en fait. C'est normal qu'une bonne partie des Parisiens se moquent, se moquent. Il n'y a pas de souci. Les gars, on se retrouve dimanche pour le match à Nantes. Donc sur mon live, je compte sur vous pour être présent. Merci à ceux qui likent la vidéo juste en bas pour le soutien, pour le référencement. C'est très important. Et puis j'avais besoin de me reposer un peu cette semaine. Hein. Vous ne m'avez pas trop vu, mais après une tech lac contre Paris, je n'étais pas en mesure de faire beaucoup de vidéos. Voilà. Parce que l'OM, c'est trop impactant pour moi. Allez, prenez soin de vous et à dimanche. J'espère qu'on va rebondir. C'est vital. Je serais très content si on s'impose là-bas. Même si je ne vais pas pardonner les joueurs pour autant. Parce qu'ils nous ont trop habitués à des défaites dans des matchs très importants qu'on les attend au tournant. Malheureusement, LOM ne doit pas être fort contre les faibles uniquement. On doit être fort contre les forts aussi. De temps en temps, fort contre les forts. Voilà. Comme le PSG doit être fort contre les forts en Ligue des Champions. Mais ils ne le sont pas à 90% du temps. Donc en fait, on se ressemble dans des situations différentes. Au fond, on est pareil. Complexé contre les gros. Tout simplement, OM et le PSG. Allez, LOM. À dimanche.